Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Twitch de la Garde de Nuit, la communauté francophone des fans du Trône de Fer et de George R.R. Martin. Aujourd'hui, on parle lecture. On est dans un nouvel épisode des manuscrits de Mestraemon, qui est notre club de lecture mensuel autour des littératures de l'imaginaire. Je suis Nymphadora et ce soir, je suis avec Corondar. Merci, bonjour à tous. Et je suis avec Yoda. Salut à tous et à toutes. Et du coup, ce soir, on va parler d'un bouquin de fantasy fantastique adulte qui s'appelle Meute, qui a été écrit par Karine Renberg. Et avant ça, je vais laisser Yoda vous annoncer le livre qu'on lira ce mois-ci pour en discuter le mois prochain. Oui, alors ce mois-ci, on va lire, alors pour le coup, pas moi, parce que je ne serai pas présente au prochain Twitch, mais le livre à lire, si vous le souhaitez, c'est Un éclat de givre d'Estelle Faye, qui est disponible chez ActuSF ou chez Folio SF, comme vous le préférez. C'est un livre donc, qui sera vu pour le Twitch du 24 novembre, 21h au même endroit, et auquel participera John Nympha, et ça sera Schrödinger qui me remplacera pour cette émission-là. Donc, Un éclat de givre, c'est l'histoire de Chet qui habite dans un Paris un peu post-apocalyptique, qui est chanteur de jazz dans une boîte de nuit, et qui boucle un peu ses fins de mois en faisant des petits boulots plus ou moins légaux, jusqu'à ce qu'il ait une mission à accomplir que lui donne un charmant jeune homme sous lequel il va tomber sous le charme. Voilà, donc de la SF, un petit peu fantastique quand même. Et je l'ai déjà lu ce livre-là, et je vous le recommande, il est vraiment très chouette. Voilà, donc rendez-vous le 24 novembre à 21h. Ouais. Et du coup, avant de passer au vif du sujet, on va aussi faire notre petite séquence recommandation, parce que on a lu d'autres livres ce mois-ci, et donc du coup, on va pouvoir vous en recommander d'autres en plus de celui qu'on lit. Du coup, Coco, vas-y, dis-nous tout. Tu nous recommandes quoi ? Moi, j'ai choisi donc le livre d'un auteur dont on a déjà un peu parlé sur les manuscrits, donc D'Apocalypse de Ariel Holzle. Holzle, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Ça fait trois fois qu'on, ça fait trois Twitch qu'on parle de lui, ça fait trois Twitch qu'on ne sait toujours pas prononcer son nom. Oui, si je l'écorche, je m'en excuse. du coup, alors D'Apocalypse, donc c'est assez différent des Sœurs Carmine dont on avait parlé. Donc là, on est vraiment dans un bouquin post-apo. En fait, il y a eu donc un peu la fin du monde, hein, clairement, une météorite qui s'est écrasée et qui a eu donc des conséquences assez drastiques, puisque bon, une large partie de la population mondiale a disparu. Et en fait, l'action se passe donc dans une seule ville qui a donc survécu au cataclysme. Donc, ça fait un peu ville assiégée, hein, les survivants. Donc, la ville est entourée par un brouillard. Tous ceux qui vont dans ce brouillard meurent dans d'atroces souffrances. Donc, la ville vit en autarcie. Et donc, on suit essentiellement une bande d'adolescents. Donc, ouais, le bouquin est plutôt un bouquin ado, je dirais, mais qui, pour le coup, quand même, moi, m'a beaucoup plu. Je trouvais que je m'attendais justement à un bouquin un peu jeunesse. Alors, bon, ça l'est un petit peu, mais pas tant que ça. J'ai trouvé quand même que le bouquin abordait des thématiques de manière assez intelligente. Alors on est sur des thèmes assez classiques, hein, l'acceptation des différences, la peur de l'autre, ce genre de choses. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était très bien écrit. C'est surtout très drôle. J'ai trouvé que les dialogues entre les personnages étaient vraiment très très bons. Et puis les personnages sont très attachants. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils développent une faune et une flore post-apo dans la ville, où en fait la ville est divisée en quartiers. Et franchement, c'est très bien foutu. On a vraiment des quartiers. Je vais pas trop vous dévoiler le truc, mais en fait on a des quartiers qui sont hantés par des fantômes, d'autres par des zombies, on a différents mutants, et en fait il a développé une faune et une flore propre à chaque quartier de la ville. Et du coup, j'ai trouvé que ça, franchement, au niveau du world building, c'était vachement bien fait. Et puis, les personnages sont très, très attachants, surtout grâce à leur humour. J'ai vraiment trouvé les personnages très drôles. Et j'espère qu'il y aura une suite. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils comptent en faire une ou pas. Mais moi, ça me plairait bien de continuer à lire les aventures de cette bande d'ados dans cette ville post-apo. Surtout que la fin est assez ouverte, quand même. Il y a moyen de faire une suite, je pense.
Bah voilà, encore un Ariel sur notre pile à lire. Je crois qu'il sort encore un roman dans pas longtemps du tout d'ailleurs. Un truc avec une uchronie et Napoléon. Donc on a de quoi lire. Intéressant. Bah, moi du coup, je pense que je lirai Les Sœurs Carmine que vous avez recommandé. Oui, il est trop bien, il est trop bien. Donc ce sera, c'est prévu, ce sera une de mes prochaines lectures. Ouais. Bon, alors du coup, on passe à la reco de Yoda. Yoda, tu nous recommandes quoi, toi ? Oui, moi je recommande Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein. J'aime beaucoup Aurélie Wallenstein, c'est vraiment une autrice que j'adore retrouver dans chaque livre qu'elle écrit. C'est jamais des thèmes bien bien faciles avec cette autrice. Mais alors, celui-là, pour le coup, c'est quand même assez gratiné et j'ai envie de dire, il y a quand même de bons trigger warnings à mettre dessus quand même. Parce que si vous êtes un peu sensible à tout ce qui est viol, violence, pour le coup, ça y va quand même assez franco, quoi. Sinon, l'histoire, ça fait un peu penser au Hunger Games, si on a envie, un peu au départ, quoi. En beaucoup moins rigolo. Et c'est donc, vrai que c'est tellement rigolo à la base, Hunger Games, des enfants qu'on envoie à la mort. Ouais, c'est un peu ça, oui. C'est pas une comédie non plus. Oui. Mais j'avais lu le premier tome, celui-là, c'est encore plus, je trouve. Voilà, quoi. Donc, c'est une compétition qui a lieu tous les 10 ans sur une île où il y a des clans qui s'affrontent pour devenir le chef de l'île, en fait, pendant les 10 ans qui suivent, quoi. Et on a notre héros, un héros en fait, qui a été fait esclave par la tribu qui a gagné il y a 10 ans et qui en fait a comme seule chance un peu d'échapper à l'esclavage et surtout de pas mourir, de s'inscrire à la nouvelle compétition qui arrive et de la remporter. Voilà, donc en fait c'est lui qu'on va suivre. Donc il va y avoir les éliminatoires, la compétition, tout ça, tout ça. C'est vraiment très cool. J'ai trouvé encore une fois que ça a posé pas mal de bonnes questions. Ouais, c'est vraiment une autrice qui en général pose vraiment des questions très très intéressantes. Et là encore une fois, quoi, c'est un héros. Enfin, c'est compliqué. Comme d'habitude, en fait, avec elle, de trouver que ces héros sont des héros. Parce que on se demande toujours, en fait, est-ce que la fin justifie absolument tous les moyens ou pas ? Est-ce que l'objectif qui suit est vraiment légitime ? Est-ce que finalement, perdre un peu en cours de route son objectif, est-ce que c'est grave ou pas ? Enfin voilà, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Et vraiment, je me régale toujours à lire tous les livres qu'elle écrit. Il faudra vraiment que j'essaye de lire quelques-uns de ses livres. J'ai Mère morte à la maison. Mère morte est très, très, très bon. Pareil, moi j'avoue, j'en ai lu aucun encore d'elle pour le moment. J'aime beaucoup Mère morte, j'aime beaucoup Le roi des fauves. Qui est très très chouette aussi, et Yardam, qui est aussi sorti en poche l'année dernière, je crois, et qui est aussi excellent. Alors moi, c'est Le Roi des Fauves que j'ai d'elle dans ma pile de bouquins à lire, mais je ne l'ai pas encore lu. Je pense que là, parce que là, je viens juste de finir note, le prochain, je pense que ça va être Gilolo, à mon avis. Ah, Gilolo. Ah. c'est le trio magique de la garde de nuit, en fait, qu'on cite. C'est ça. Alors, je pense que ce sera mon prochain, ce sera du roi Geoffrey l'assassin. C'est pas mon préféré, mais il est bien. C'est ce que j'ai cru comprendre. A priori, c'est pas le préféré de tout le monde, mais bon, je l'ai, il faut que je le lise. Donc, je le lirai. Oh, et puis bon, moi j'ai un peu le sentiment que même un Gilolo moins bien, ça reste quand même bien. Voilà, c'est ça en fait. Sur le chat, il y a Schrödinger qui nous dit que Mère morte, il est vraiment très bien, qu'il est peut-être plus simple à aborder parce que moins trash que Le Dieu Oiseau. Et... Oui, je ne pouvais pas le recommander si je n'avais pas lu ce mois-ci. Et Jonjon lui dit qu'il a Yardam, mais qu'il a l'air de faire très très peur. Et apparemment, c'est une histoire de MST. Ouais. Ah ouais. Effectivement. Pourquoi pas, non, pourquoi pas. Yardam est vraiment très cool, c'est une histoire de vampire. Ah, bah après les loups-garous, ça peut être pas mal. Ouais. Voilà, ouais, alors des vampires très très spéciaux pour le coup. Après, moi c'est pareil, faut que je termine Vampiria. Là, j'ai lu les deux premiers tomes, j'ai le troisième tome, et bon, je pense que ce sera plus tard. Je le lirai après, je pense.
Ah, Vampiria, moi j'ai lu la BD, le premier tome de Vampiria Inquisition. C'était très sympa. Je savais même pas qu'il y avait une BD. Eh bien, elle vient de sortir. Et du coup, c'est une BD avec une autre histoire, enfin, un autre point de vue, du point de vue des vampires. Parce qu'apparemment, côté livre, tu suis plutôt des humains. Et là, tu suis des vampires. Voilà. Ce qui pourrait m'intéresser en plus. Je t'avoue que du coup. Parce qu'à la limite, moi, c'est ce qui me manque un peu dans les bouquins. Mais bon, bah, écoute, je te prêterai la BD. Puis un jour, peut-être, on parlera de Vampiria sur les manuscrits de Mess Raymond. On aimerait beaucoup en parler de Vampiria. Ouais. C'est top. Que j'ai plutôt aimé, moi, les deux premiers tomes. C'est pas mal. Alors. Bon, enfin, après, on va pas trop en parler parce qu'on a d'autres choses à traiter dans cette émission. Mais je trouve que c'est efficace, en tout cas. Alors, mais du coup, moi, je vais quand même vous faire ma reco aussi. Oui. Et du coup, moi, je vais vous parler de Dernier monde d'un dernier, pardon, dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklicevic, je ne sais pas comment on dit. Je ne vais pas trop vous raconter le pitch du bouquin parce que je pense que c'est mieux de tout découvrir. C'est un roman qui est très court, qui est de la fantasy. C'est à la fois un mélange de thèmes qui sont vraiment très difficiles. Enfin, t'as des personnages qui sont très très gris, tu vas suivre ces personnages point de vue, et c'est quand même un peu des pourritures. Mais d'un autre côté, tu t'y attaches quand même parce qu'ils ont quand même vraiment des aspects aussi très lumineux. Et en même temps, l'écriture est très lumineuse et il y a des vrais moments très poétiques. Et du coup, ce mélange qui est à la fois très onirique, très magique et très cru par moments, j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien. Et je recommande vraiment parce que c'est très bien écrit. En plus, les chapitres sont très courts, donc c'est vraiment percutant. Ça a l'avantage d'être très efficace à lire. Et c'est quelque chose que j'ai pas lu souvent. C'est quelque chose d'assez à part. Donc du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et faut noter que ce bouquin, en fait, il a été publié pour les 20 ans de la maison d'édition Folio SF. En fait, ils avaient fait un grand concours et c'est Chris qui a gagné le concours en question. Et donc, son livre a été publié comme ça. Il y avait eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de participation. Et donc, du coup, ce bouquin... Alors, je crois que c'est Estelle Fay, justement, qui faisait partie du jury. Et en tout cas, il est... À bon goût, du coup. Et ouais. Et ça a reçu le prix Elbakine aussi, je crois, il n'y a pas l'an dernier. Enfin, bon. Du coup, je crois que je ne suis pas la seule à avoir aimé. En tout cas, le titre est joli, je trouve. Le titre est ouais, c'est ça, et je trouve que ça représente très très bien le bouquin. D'ailleurs, la couverture aussi représente très très bien le bouquin. Cette espèce de menace, mais en même temps, une vraie poésie. Enfin, vraiment... Vraiment, je préfère pas trop en raconter, mais je recommande chaudement. Un livre de plus à rajouter dans la pile. Après, c'est vrai que des fois, tu as des bouquins qui sont très difficiles à raconter, ou c'est très difficile de les raconter, ou surtout, si tu les racontes, parfois, ça en dit trop déjà. Mais ça, puis là, en plus, le roman est vraiment court, donc du coup, ça fait quand même vraiment partie de la joie de découvrir tout parce que c'est très mystérieux et ça joue sur le mystère aussi donc c'est vraiment sympa de ne pas trop en savoir. Quand tu dis court, c'est-à-dire je crois qu'il doit faire 250-300 pages, je crois qu'il fait pas plus de 300 pages quoi. Ça donne bien envie. C'est vrai que des fois les bouquins courts c'est bien aussi. Ouais, bah, surtout quand il y a du punch, ça. C'est ce que j'avais bien aimé aussi dans After, c'est qu'il était assez court quand même. Ouais, After était court aussi. Ouais.
et qui s'est lisé du coup très très vite. Alors on nous dit dans l'oreillette, qu'en fait il y a marqué 356 sur le site de la Fnac. Donc peut-être que c'est plutôt 356 que 200. Bon. Enfin, ça reste après, à côté des quasiment 600 pages de Meute, par exemple. C'est court. Alors, c'est qu'il t'a tellement plu que tu l'as lu très très vite et qu'il t'a donné aussi, l'impression d'être aussi. Très court. Parce que par contre, ça arrive aussi, ça, des fois. C'est vrai. Non, puis en plus, il y a des petites trouvailles graphiques. Il y a des inserts avec des pages comme des pages de journaux, des choses comme ça, des télégrammes et tout. Donc, y a des petits... J'adore ça. Je trouve ça toujours super fun dans les livres quand ils y mettent des extraits de journaux, des petits dessins, des choses comme ça. C'est un truc que j'adore. Ça peut me faire gagner des points sur ma note de lecture, alors que tu l'avais aussi dans Bépocalypse. Tu avais certains extraits d'articles de journaux parler de la météorite, l'arrivée de la météorite, parce qu'au départ, apparemment, les scientifiques pensaient qu'elle n'allait pas toucher la Terre, et donc du coup, tu avais les articles. L'évolution des articles au fur et à mesure qui disait quand la météorite approchait, on va pouvoir la voir, et puis en fait, plus elle se rapprochait, plus les scientifiques commençaient à paniquer. Il y avait ça aussi dans l'Apocalypse. Peut-être un truc d'Ariel Holt, pour le coup, ouais. Puisque c'était aussi dans les Sœurs Carmine. Effectivement, ouais. C'était pas des journaux, mais le journal intime. Ouais, du coup, a priori, oui, ça doit être un truc qui. Ses éditeurs, certainement. Alors, bon, je pense que du coup, on va peut-être passer au cœur du sujet et finir avec nos recos. Alors, ne bougez pas, il faut que j'appuie sur le bon bouton. Et que... Touk ! Tadam ! Nous allons parler donc de Meute de Karine Randberg aux éditions ActuSF. Et Coco, tu vas nous raconter un peu de quoi ça parle. Tout à fait. Alors, donc c'est Meute et pas la Meute, hein, c'est important. Donc, Meute, de quoi ça parle ? Alors, donc ça se passe dans un univers post-apo. Par contre, je préfère le dire tout de suite, ça n'a pas un impact énorme sur l'histoire. C'est vraiment en toile de fond, c'est pas le cœur du sujet. Le bouquin explique très peu, voire pas du tout, qu'est-ce qui s'est passé exactement comme apocalypse. Tout ce qu'on sait, c'est que, bon, du coup, on est dans un univers, un futur plutôt proche, a priori. On n'est pas sur un truc science-fiction, ça ne se passe pas dans un futur très éloigné, a priori. Donc, la Terre, apparemment, il y a un gros problème de ressources énergétiques. Tout ce qui est électronique déconne un peu, a priori, le Soleil a fait des siennes. Et du coup, la population a galère à trouver les ressources, la nourriture, faire pousser des choses, ce genre de choses, ça a l'air assez compliqué. Donc ça se passe dans une ville, pareil, on ne sait pas exactement où, ça a l'air de ressembler un peu à l'Amérique du Nord, ça peut peut-être être l'Europe aussi. On a donc une ville divisée en deux quartiers, les docks, plutôt la zone là où vivent les pauvres, la marina, la zone plus riche où vivent les riches. Et donc, on suit principalement au début deux personnages, Nat, qui a donc comme particularité d'être un loup-garou. Donc, il est intégré dans une meute. Alors, pareil, hein, dès le début, on se rend bien compte que la meute dans laquelle il évolue, il est plutôt l'outcast, hein, le gars qui est un peu qui a un peu du mal à s'intégrer dans sa meute. Et donc, il est surtout très ami avec Val, qui lui n'est pas un loup-garou. Donc, les deux, c'est plutôt des bad boys, hein, clairement. Ils vivent donc dans les docks, la zone. Ils bossent pour des cartels de gangsters. Donc, on évolue dans un univers de combat, d'arène, ce genre de choses, trafic de drogue, trafic divers et variés. Donc, l'histoire démarre sur ces deux personnages, donc ils sont amis depuis l'enfance. Particularité à souligner pour Val, il est muet, donc suite à une blessure, un coup de couteau, il a eu une blessure à la gorge qui l'a rendu muet. Et donc on suit donc ces deux personnages qui évoluent donc dans leur cercle différent, qui sont amis, qui ont une relation très très proche. Et en fait l'équilibre de la vie de ces deux personnages va être bouleversé par l'arrivée d'un nouveau membre dans la meute, qui donc au début de l'histoire n'a pas de nom. Les membres de la meute le surnomment Lupio, donc un jeune adolescent qui doit avoir 14-15 ans à peu près. Un personnage un peu mystérieux qui a été récupéré par la meute,
qui a l'air très traumatisé puisqu'il ne parle pas. Sa seule manière de s'exprimer un peu, c'est via la peinture et les dessins. Et donc, en fait, l'arrivée de ce nouveau personnage dans la meute va bouleverser en fait les équilibres instaurés préalablement et va surtout donc impacter la vie de Nat principalement. Et donc, le bouquin en fait suit l'évolution des relations entre ces personnages et l'impact de l'arrivée de Lupio, qui plus tard aura le nom de Calam dans le bouquin, et de son interaction en fait avec les personnages principaux. Voilà pour le résumé sans trop de spoil. Ça paraît bien. Et alors du coup, Yoda, t'as aimé ? Non. Ok. Pas trop, clair. En fait. Okay. C'était pas désagréable à lire. Il y a beaucoup de thèmes super intéressants. Mais en fait, je me suis beaucoup ennuyée, surtout. Et j'attendais qu'il arrive quelque chose, n'importe quoi, en fait. Et il n'est jamais rien arrivé. Oh, je peux pas te laisser. Il se passe franchement pas grand-chose. Mais en fait, je me suis un peu ennuyée, voilà. C'était pas si grave que ça. J'ai vraiment lu le livre très vite. Il est agréable à lire, il est très bien écrit. Les persos sont très cool. Les thèmes abordés sont super importants et en plus très 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 bien gérés. Vraiment, c'était chouette. Mais bah, je me suis ennuyée, quoi. Voilà. Donc en fait, voilà, j'aurais aimé que ça finisse plus vite. Donc c'est pas super bon signe pour le coup. Donc voilà, c'est pas mauvais, c'est pas à jeter, loin de là même, voilà. Mais bof. Désolée. Non, mais t'as le droit à tes opinions. Hein. Merci. Même si je ne la partage pas. Alors du coup, toi... Désolée, John Donjon, dans le chat aussi, qui n'a pas l'air d'accord. Jonjon dit, t'as le droit d'avoir tort. Bah oui, bah écoute. Hein. Merci. Alors, je peux peut-être enchaîner en disant que... Alors, moi, je me suis dit, on va quand même pas mettre deux smileys mouais. Donc, moi, je suis un peu entre le mouais et le petit sourire. Alors, du coup, j'ai mis un petit sourire. Parce que, un peu comme Yoda, j'ai trouvé que vraiment, il se passait rien dans le bouquin. Mais, du coup, à la moitié du bouquin, bon, une fois que j'avais compris que vraiment, il allait rien se passer, j'ai fini par me faire une raison et je suis plus rentrée dans l'ambiance. Et, en fait, ce bouquin, c'est un peu comme un gros chocolat chaud. Il est super réconfortant, il est super bienveillant. Mais le problème, c'est que moi, le chocolat chaud, ça m'écœure de ouf. Le chocolat chaud, il faut pas m'en donner le matin parce que ça me donne mal au cœur. Il faut pas m'en donner quand il fait trop chaud parce que j'ai pas envie de boire du chocolat chaud quand il fait trop chaud. Il faut pas trop m'en donner quand il faut pas qu'il soit trop sucré parce que sinon c'est dégueulasse et ça me fait mal au bide. Et il faut pas non plus qu'il soit trop chocolaté parce qu'après je trouve ça écœurant. Mais alors il faut pas non plus qu'il soit pas assez chocolaté parce que dans ce cas-là c'est pas bon non plus. Donc bref, j'ai donc un peu le même genre de problème avec les chocolats chauds qu'avec ce bouquin, c'est-à-dire que c'est tout mignon. Une fois que j'étais sous ma couette doudou, qu'il faisait un peu frais, c'était bien, c'était réconfortant. Mais c'était peut-être pas le bon moment pour que je le lise. Et au début, quand je l'ai commencé, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose. Je m'attendais à une histoire de meute, de loup, un truc un peu violent, un peu. Et puis finalement, bon, c'est tout doux, c'est tout réconfortant, il se passe rien, il n'y a aucune tension. Mais genre, zéro. Enfin, la tension. En fait, c'est pas qu'il y a une tension, c'est qu'il n'y a aucune tension narrative. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre petit truc qui commence à vaguement monter un peu en puissance, on fait un fondu au noir et on passe au chapitre d'après où l'action est résolue. Donc, en plus, c'est hyper frustrant. Donc, vraiment, c'est... Mais comme l'a dit Yoda avant, c'est aussi quelque chose de super bienveillant. Les personnages sont hyper bien écrits. Ils sont super complets, super complexes. Et vraiment, l'écriture est excellente. Alors qu'en plus, de base, c'est quelque chose que j'aime assez peu parce que c'est à la deuxième personne. Donc... On s'adresse au lecteur, enfin, voilà, on dit tu au, lec-
au lecteur en le mettant à la place du personnage, ce qui est un mécanisme d'écriture qui en général ne me plaît pas. La seule fois où ça m'avait plu, c'était pour un livre de N.K. Jemisin que je recommande très très fort aussi, qui s'appelle La Terre fracturée. Enfin, c'est la trilogie de la Terre fracturée. Et donc là, c'est les deux seules fois de ma vie où j'ai supporté un livre à la deuxième personne du singulier. Donc voilà, donc ça partait pas gagnant. Ça partait pas gagnant non plus parce que j'aime pas du tout les histoires de bad boy. Et globalement, la mécanique du bouquin, c'est quand même un peu comme une romance. C'est-à-dire qu'on n'a pas de romance. Enfin, il y a des éléments un peu romantiques, machin, mais on est sur des personnages qui se découvrent, qui s'apprennent, des personnages qui se découvrent, un peu comme on le fait dans des romances assez classiques. Et donc le héros est un bad boy. Et moi, vraiment, les romances avec des bad boys, c'est genre le truc que je déteste. Je dirais qu'on est plus sur une bromance, en fait. Voilà, c'est ça, on est sur une bromance. C'est ça, on est sur des bromances. On est sur. Mais enfin, en fait, en termes de construction narrative, j'ai trouvé qu'on se rapprochait beaucoup plus d'un roman que tu retrouves au rayon romance que d'un roman que tu retrouves au rayon fantasy, par exemple. C'est vraiment les mécaniques de relations qui sont au cœur du bouquin. Alors, c'est pas des histoires d'amour, mais c'est la relation qui fait le cœur du livre. Une relation de famille, en fait, finalement. C'est ça, une relation de meute, en fait. Relations sociales, des relations sociales diverses. Voilà. Un peu, du coup, oui, il y a quand même une pointe de fantastique avec l'aspect loup-garou, mais oui, on est sur un roman d'études de liens sociaux, amoureux, parce que bon, il y a quand même une forme de lien familial, fraternel, qui se crée entre les personnages ou qui existe déjà avant, d'ailleurs. Donc oui, non, on est clairement là-dessus, hein, ça c'est clair et net. Mais bon, voilà. Mais du coup, je peux pas dire que j'ai pas aimé parce que après, une fois que j'ai compris le principe du bouquin, que j'ai compris que vraiment il se passerait pas grand-chose et que tout tournait autour de ces relations, bah je suis rentrée dedans et vraiment c'était super doudou quoi. C'était un livre tout plein de sucre, trop mignon et vraiment d'une bienveillance absolue. Mais juste. Au début, je me suis ennuyée vraiment beaucoup, quoi. Puis du coup, j'avais vraiment du mal à reprendre le bouquin à chaque fois parce que je me disais, il va rien se passer, quoi. Enfin, moi, j'ai quand même besoin d'avoir une attente dans ma lecture, quoi, de me dire, oh là là, il va se passer un truc, machin. Il me faut des tensions narratives, sinon. Et c'est pas forcément de la tension contre personnage ou quoi, mais juste un truc, un peu de. Un peu de tension qui monte, quoi, quelque chose. Ouais. Je sais pas, ça peut être une tension sexuelle entre des personnages, une tension amicale, enfin, quelque chose, quoi. Et là, c'était calme. Très, très calme. C'est très, très calme. Il se passe vraiment pas grand-chose. Ouais. Mais je vais laisser Coco parler en bien du livre. Vas-y. Je ne peux pas vous laisser déformer à ce point ce bouquin. Puisque oui, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Alors pareil, moi, les bouquins à la deuxième personne du singulier, généralement, ça me gonfle au plus haut point. J'ai le même souci que Nympha traditionnellement avec ces bouquins-là. Ça m'est déjà arrivé même de ne pas réussir à terminer des bouquins quand ils sont écrits comme ça. Donc pareil, quand j'ai commencé le bouquin, que je me suis rendu compte que c'était écrit à la deuxième personne du singulier, je me suis dit « Ouh là 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 là, ça va être très compliqué cette affaire ». Et alors, du coup, c'est là où c'est quand même très bien écrit, c'est que je suis passé très très rapidement au-dessus de cet aspect-là, voire même j'ai trouvé que du coup elle l'utilisait vachement bien justement pour créer une connexion en fait avec les personnages. J'ai trouvé que du coup l'emploi du « tu » te projetait vachement rapidement dans l'affect et la psyché des personnages. Du coup, moi, je suis rentré tout de suite dans les personnages auxquels je me suis attaché quasiment immédiatement. Moi, j'adore le chocolat. Quand j'en bois, je m'en mets plein à la moustache. Donc, voilà. Moi, j'adore ça. Alors, en effet,
Oui, je rejoins complètement d'info là-dessus. Hein. Le bouquin a cet aspect chocolaté. D'ailleurs, l'un des personnages, c'est sa boisson officielle, il boit que ça. Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Je ne sais pas si vous, vous l'aviez fait dédicacer par l'autrice originale. Et moi, elle m'avait mis, du coup, que je n'avais pas vu. Il y avait deux dédicaces, du coup, une en premier et une pendant dans le bouquin, où justement, elle dit en code mou, toujours boire du chocolat. Donc, moi, Ah ben exact, j'ai ça. exactement la même dédicace, Ah voilà, effectivement. et du coup, moi ça me correspondait très 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 bien. Et en effet, les scènes chocolatées, comme tu dis, moi j'ai beaucoup aimé. Alors oui, on va pas se mentir, l'action est pas trépidante là-dessus. Je rejoins, ouais, clairement, il se passe pas énormément de choses. Il y a bien une intrigue, voilà, assez secondaire quand même, sur un kidnapping de loup-garou, mais bon, on sent que c'est pas ce qui va l'intéresser le plus, l'autrice. Et clairement, oui, ces chapitres-là, on sent que c'est pas cela qu'elle préfère écrire. Après, zéro tension, je vous trouve un peu sévère quand même. Alors, c'est peut-être parce que comme j'étais à fond dans les personnages, moi, je t'avoue que quand même, les scènes où ils se battent dans les arènes, la scène où donc ils vont pour libérer les loups-garous, moi, j'ai quand même flippé, pour le personnage de Val, notamment, qui s'en prend plein plein la tronche. Bon, Nat aussi, mais voilà. Enfin, lui, il encaisse un peu mieux les coups. Donc voilà, moi j'ai quand même ressenti des petits moments où j'étais un peu inquiet pour les Et ouais, personnages. mais Donc moi moi, j'avais quand même un peu ça. en fait, justement, je commençais à être inquiète, et pouf, fondu au noir, et pouf, on passe au chapitre d'après Ouais. où on a raté toute l'action. Et Bah, ça, vraiment, ça m'a agacé. ça c'est vrai, parce que je te dis, tu sens, enfin moi j'ai eu cette impression-là, que comme c'est pas les scènes que l'autrice préfère, moi j'ai eu un peu le sentiment que du coup, oui, ces scènes-là, elle les travaillait pas plus que ça. Mais bon, comme moi je te dis, j'étais à fond sur les personnages, j'ai quand même eu cette petite peur, cette petite tension pour eux. Et puis surtout, 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 ce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé dans ce bouquin, c'est qu'on a un petit côté infirme, bâtard et choses brisées, pour rappeler George Martin, c'est qu'on a des personnages bon, qui vont pas bien globalement, qui ont des gros gros traumas. Et voilà, j'ai trouvé que ça pour le coup, c'était bien amené, surtout le personnage de Callum, qui, bon, alors là c'est un peu laissé à l'appréciation du lecteur, je pense qu'on est sur un ado un peu autiste. Bon, alors après, il a aussi subi des torture, bon, je vais pas trop voilà, rentrer dans les détails, mais bon, on sent que c'est un gamin qui a pas une vie facile, et donc il a un côté renfermé sur lui-même, un peu autiste. Et alors moi, ce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, c'est toute la partie colorimétrie, on va dire, sur l'émotion de Callum, puisque le personnage ne parle pas, et donc il s'exprime via ses tableaux, ses dessins, et en fait elle développe donc tout un lexique sur les couleurs que met Callum dans ses tableaux. Et alors ça, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là. J'ai trouvé qu'elle exprimait vachement bien les personnages du personnage à travers ses couleurs. J'ai trouvé que donc les thématiques qu'elle utilisait donc pour certaines couleurs. Donc bon, le personnage, en gros, le blanc, c'est la douleur, la souffrance, c'est l'absence de couleur. Le noir, c'est plutôt la colère, etc. Le jaune, la C'est peur. la Enfin, douleur, enfin oui, t'en avais. j'ai le rouge, voilà. J'ai trouvé que ça, ce travail-là était vachement bien foutu au niveau de l'écriture. J'ai limite regretté. Alors après, voilà, je sais, ça aurait été très compliqué. J'ai limite regretté qu'il n'y ait pas des illustrations éventuellement des dessins du personnage de Callum. Après, bon, ça aurait peut-être été difficile de le faire, parce que du coup, il aurait fallu trouver un très bon illustrateur qui, du coup, reproduise un peu le schéma de couleur de Callum. Ça aurait peut-être été compliqué, je sais pas. Mais enfin, bref, en tout cas, moi, quand je lisais ces passages, j'avais réellement en tête les images, les couleurs, et je trouvais que ça fonctionnait vachement, vachement bien. Du coup, j'avoue que moi, tous les chapitres où on avait le point de vue de Callum, j'étais à fond dedans. Et puis, pareil, oui, on est sur un bouquin bah, très. Comment dire? Voilà. Bon, là, je vais spoiler un peu.
Le personnage de Nat est homosexuel, Val est muet, donc c'est pareil, Val parle avec le langage des signes, etc. J'ai trouvé ça pareil, vachement intéressant, vachement bien fait, la manière dont en fait est abordé donc le thème du handicap pour Callum, le fait qu'il soit autiste ou en tout cas qu'il ait des traumatismes, pareil, le fait que Val soit muet, j'ai trouvé ça vachement bien fait, bien mis en avant. Donc ouais, non, moi, toutes ces thématiques m'ont beaucoup beaucoup plu. Donc après voilà, je rejoins les filles. Ouais, si vous cherchez un bouquin d'action avec des loups-garous qui vont se battre, se transformer, tout ça, bon là, clairement vous n'êtes pas là parce que même les interactions de loups, on est plutôt sur des loups qui se font des câlins et des léchouilles que sur des loups qui se battent. Et enfin, en tout cas, les loups qui se battent sont plutôt hors champ ou font du haut noir, quoi, ça c'est clair. Alors, on nous demande dans le chat, Willa nous demande si à la base c'est vendu comme de la young adulte. Moi, il me semble pas, hein. Il me semble que c'est vraiment adulte. Non, Il me semble que c'est ouais. vendu comme de la fantasy adulte. Oui, et puis alors pour le coup, Après. même si voilà, c'est pas trépidant d'action, il y a quand même voilà, on a quand même quelques scènes de chasse où des loups chassent des animaux, il y a quand même quelques scènes de combat un petit peu sanglants où on brise des os. Ouais, moi je le mettrais quand Ok. même pas en young adulte. Et puis pareil, comme on est quand même sur des personnages, On est sur des personnages très brisés quand même. Donc voilà. effectivement, Il y a après quand il y a même des des. traumas. Moi je pense que ça peut être lu sans trop de soucis. Alors pas si t'as 12-13 ans, ok, mais après franchement, Oui, 16-17, ah ouais, oui, carrément. Ah voilà. oui, Oui, carrément. moi je dirais Disons voilà, des grands ados, grands ados, oui. grands ados, Sans des problème, grands quoi. Il ados, n'y a largement. aucune scène sexuelle, Oui. voilà, donc Oui, ça non. passe sans souci. Il y a des combats, ok, mais franchement, le pire qui leur arrive, c'est de se faire recoudre par le médecin après. Donc bon, voilà. Ouais, ils chassent des lapins dans la forêt. Ouais, C'est pas non plus. il y a un chevreuil qui se fait Voilà, tuer à un le moment. niveau de Ouais. violence est quand même pas. Après, ce que je veux dire, c'est que je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent être très sensibles à Oui, tout ce et qui est. il y a des Mais trigger il y a des warning en trigger général. warning, ouais. Alors, en plus, je tiens à le saluer parce que les trigger warning, du coup, sont en fin de bouquin. Et moi, ça, j'aime bien quand on en avait déjà parlé sur un manuscrit d'Emma Raymond. Moi, j'aime bien quand les trigger warning, ils sont en fin de bouquin et pas en début parce que comme ça, si tu veux les lire, bah, tu vas les lire. Et si en soi, t'as pas forcément de trauma particulier, ou en tout cas que tu n'as pas de soucis à affronter ce genre de choses, et ben t'es pas obligé d'aller les lire, et comme ça ne te spoile pas le reste de l'histoire, parce qu'en fait souvent on te trigger warn des éléments de l'intrigue, forcément, et qui risquent de te choquer, mais bon du coup bah, on te les annonce d'avance, et moi je trouve que ça a tendance à gâcher un peu mon plaisir. C'est juste que quand je dis je le mettrai pas en young adulte, c'est que je le déconseillerais quand même à des jeunes ados. Par contre, oui, des grands ados, ça passe sans problème. On nous dit sur le chat, oui, là, tout dit, mais il y a du sexe hein, dans le young adulte. Effectivement, mais c'est plus. Non, mais je pense que c'est plus. Moi, je pense que c'est plus sur le côté très brisé des personnages Ouais. qui peut, à mon avis, si vraiment. Enfin, vers 12-13 ans, c'est peut-être Oui, non, un mais peu ça, trop c'est sûr. dur Oui. en termes de. Enfin, c'est quand même vraiment sur. Sur un personnage qui a vécu des trucs assez atroces quoi. Moi, je pense Et qu'il mais faut. pas façon je sais pas façon Katniss quand elle est en stress post-traumatique dans le dernier Hunger Games quoi. T'es quand même à un niveau tu comprends quoi, Je pense tu qu'il faut une souffres maturité. avec. Il faut une maturité psychologique un peu, voilà. Je te dis, ouais, 15-16 ans, je pense que 15-16 ans, c'est bon. Par contre, 10-12 ans, clairement, non. Non, je ne pense pas. Alors on me dit plus brisé que dans Six of Crows. Alors c'est vrai que dans Six of Crows, c'est bien cartiné aussi en termes de. Mais c'est pareil, Six of Crows, il le dépasse. On sait que le personnage est brisé, on sait qu'il y a eu des trucs atroces, mais c'est pas vraiment le cœur du. C'est quand même pas le cœur du sujet, quoi. Là, Parce que tu là, te roules dedans, quoi. C'est. T'es vraiment sur des personnages qui essayent d'aider un personnage brisé et qui donc essayent de le reconstruire pour lui réapprendre à sociabiliser, à échanger. Voilà, on part sur un gamin qui parle pas, qui refuse de se faire toucher, qui mange quasiment pas, qui s'alimente pas. Enfin voilà, on n'est pas sur. Oui. Et donc on suit le cheminement
de Nat et de Val qui essayent de réhabituer cet ado à redevenir un humain qui a des contacts humains avec d'autres personnes. Donc oui, je pense qu'il faut un minimum de structure psychologique pour le commencer. Donc je pense que voilà, 15-16 ans, ça passe très bien. Comme en plus, le tout a un côté plutôt bienveillant et doudou, c'est, oui, je pense que pour un ado de 16-17 ans, ça passera. Après, ce côté bienveillant et reconstruction qui finalement marche plutôt bien. Et je pense même que ça peut les intéresser aussi, toute cette reconstruction du personnage pour des grands ados. Et je pense qu'en plus, la façon dont ils abordent le consentement est aussi hyper intéressante. Parce que du coup, en fait, comme Callum est brisé, Callum, il veut pas qu'on le touche, il veut pas qu'on ouvre des fenêtres, il faut vraiment être très précautionneux avec Callum. Et à chaque fois qu'ils veulent parler, qu'ils veulent confronter Callum à quelque chose d'un peu, à le mettre un peu au défi, qui n'est pas vraiment un défi, mais bon, je sais pas, moi, sortir de sa chambre, manger, l'aider et le reconstruire, mais il y a toujours cette phase où ils lui expliquent pourquoi ils le font et ils lui demandent s'il est d'accord, il lui demande son avis, ouais. Et c'est toujours lui qui a au final le fin mot, le choix, et c'est lui qui prend les actions pour aller mieux. Et il y a vraiment, il y a vraiment une vision hyper bienveillante. Et à chaque fois, on va demander à Callum son consentement pour des actes qui le concernent, quoi. Et puis ce qui est bien fait aussi, ce qui est bien montré, c'est parce qu'au début du roman, les autres membres de la meute veulent aussi aider Callum, ont beaucoup d'empathie pour lui. Et en fait, le bouquin montre que parfois, même en étant bien intentionné, on ne peut pas savoir s'y prendre et au final, ne pas aider la personne, voire même parfois empirer son état, justement, parce que par exemple, comme il ne s'alimente pas, y en a qui veulent le forcer à manger. Alors, au final, c'est pour son bien, parce que en plus, comme il est loup-garou, en fait, quand il se transforme, ça lui demande beaucoup d'énergie. Donc, quand la pleine lune arrive, il est obligé de se transformer, et s'il n'a pas un minimum d'énergie, il peut mourir. Donc, du coup, voilà, on sent que ces personnages-là veulent l'aider, mais ils s'y prennent très mal, puisqu'ils essayent de forcer Callum à manger, ce qui est un enfer pour lui, parce que du coup, il ne supporte pas la nourriture salée. Donc voilà, le bouquin montre que parfois, même en étant bien intentionné, si on n'utilise pas les bonnes méthodes pour essayer d'approcher la personne, ça peut se révéler assez contre-productif, quoi. Donc sur cet aspect-là, le bouquin est vachement bien foutu. Je pense que l'autrice, à mon avis, c'est pas mal renseignée, je pense, là-dessus, sur l'autisme, sur les violences psychologiques, physiques. On sent qu'elle a bossé le sujet. Et que la version qu'elle présente, à mon avis, c'est une version. On coche les cases de que faut-il faire pour essayer à reconstruire une personne qui a été brisée pour X, Y raison ou qui a des problèmes d'ouverture au monde. Voilà, ça c'est. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai préféré dans le bouquin, c'est la partie Callum. Avec c'est le truc des couleurs. J'ai trouvé ça vachement bien foutu, la manière dont elle décrit les émotions de Callum, la manière dont il les perçoit via les couleurs. Et toi, du coup, Yoda, si tu avais un point fort à retenir ? Oui, moi, c'est ça. C'est toute cette bienveillance, en fait, du livre, qui est vraiment très important sur... sur cet aspect de toujours demander son avis, d'attendre que la personne, il répond pas puisqu'il parle pas, mais c'est lui qui finit par agir. On lui laisse le choix tout le temps. Il a vraiment le choix sur tout parce que en face de lui, il a aussi un perso qui lui laisse le choix, quoi. Donc ça fonctionne très très bien. Et moi, j'ai beaucoup aimé tout le côté représentativité des personnages. Donc en effet, il y a un personnage qui est gay, un personnage qui est autiste, et le personnage muet qui est aussi asexuel. On en voit quand même assez peu en littérature, pour le coup. C'était plutôt cool.
Et j'ai beaucoup aimé tout ce côté représentativité et puis attente de bienveillance, des persos vraiment très très chouettes. Même le chef de meute, Marc, qui finalement récupère beaucoup les loups isolés, en fait. Il est en fait vraiment super gentil lui aussi, quoi. Et il m'a beaucoup plu, ce pauvre petit bonhomme, quoi. Voilà. Et qui n'a pas une vie facile, ça a l'air dur d'être alpha. C'est clair. Apparemment, être l'alpha d'une meute, ça a l'air un peu chiant. Ouais, ça a l'air compliqué. Ouais. Une meute qui finalement est un peu trop grande pour lui à l'arrivée. Ouais. Quoi. Il y a trop de monde, il n'arrive plus à gérer, c'est trop compliqué pour lui, mais il ne laissera jamais personne dehors non plus, en fait. Et j'ai beaucoup aimé Marc aussi, voilà. Voilà, vraiment, tout cet aspect-là de bienveillance m'a énormément plu. Ouais, ben moi, pareil, pas mieux. Sachant que du coup, sur l'aspect loup-garou, bon, c'est pareil, voilà, je pense que si les lecteurs cherchent un truc très axé loup-garou, c'est pareil, c'est pas vraiment le cœur du sujet, en toile de fond, pareil, sur des relations sociologiques, avec pour le coup une représentation assez classique du loup-garou qui vit en meute avec un alpha, un bêta, des oméga, enfin voilà, ça c'est assez classique chez les loups-garous, quoi. Voilà, ça sert de toile de fond, ça aide les personnages à communiquer, à dépasser leur blocage psychologique, puisque Calame interagit plus facilement avec les personnages quand ils sont sous forme de loup que quand ils sont sous forme d'humain. On n'est pas sur un bouquin qui se concentre énormément sur la lycanthropie, comment on devient lycanthrope, comment on le transmet, tout ça, voilà, c'est pas le cœur du sujet non plus, quoi. C'est vraiment, en fait, c'est, moi je trouve que c'est un bouquin plus sociologique et psychologique, en fait, que réellement fantastique. Et après, moi, si j'ai peut-être un défaut, ça, en fait. Moi, si j'ai un défaut à y mettre, c'est qu'à un moment, ça en est même devenu un peu too much à mes yeux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai eu l'impression qu'on en arrivait à me faire du chantage au sentiment. Où on est plus sur du mignon, on est sur du « Oh, regarde, je te mets vraiment en pleine face encore un nouveau personnage brisé et qu'il faut et encore une nouvelle brisure et encore des nouveaux trucs. » Et oh regarde, il y a un chaton et il s'est ça c'est un chaton et là je me suis dit non enfin, et tu vois c'est un moment où j'ai trouvé que ça en devenait mécanique et que ça perdait en ça perdait un peu en authenticité pour en devenir un chantage au sentiment. Et pourtant, j'ai adoré Jonjon sur le chat, il me dit « Ah, tu dis pas du mal de Lucas. » Lucas, donc, c'est le deuxième personnage brisé. Il y a un autre personnage brisé. Ouais. Et il est adorable, Lucas. J'ai adoré le personnage de Lucas. Mais après, j'ai fermé le bouquin, je me suis dit « Mais putain, elle m'a manipulé, l'autrice. » Il y a un moment où j'ai trouvé que... elle tirait vraiment, vraiment, vraiment sur la corde, quoi. Alors moi, j'ai vraiment pas eu cette impression-là. Après, pour le coup, moi, comme j'ai vraiment eu énormément d'empathie tout de suite pour les trois personnages principaux, t'avoue que du coup, j'ai pas eu ce sentiment-là. Parce que les autres personnages qui gravitent autour de ces trois-là sont quand même assez secondaires, hein, quand même. Même Lucas, bon, qui arrive un peu plus tardivement, qui est quand même... Voilà, super attachant aussi. Je t'avoue que moi, non, j'ai pas eu cet effet-là. Par contre, là, je te rejoins un peu. C'est vrai que c'est le chat, l'introduction du chat de Val dans le truc. Là, par contre, moi aussi, ça m'a un peu fait tiquer. Parce que, en fait, il y a pas mal de scènes qui sont, pour le coup, ouais, très mignonnes quand les personnages sont en loup. Où, voilà, les loups se lèchent les babines, se roulent, jouent entre eux, etc. Et alors là, pour le coup, c'est très, très mignon. Et c'est vrai qu'avec le chat en plus. Moi aussi, avant, je me suis dit, ouais, là, quand même, elle en rajoute une couche en mignonitude, où tu vois les loups qui se font des câlins aux chatons, enfin, voilà. Là, sur l'aspect animaux et câlins entre animaux, ouais, peut-être un peu, peut-être qu'elle tire un peu sur la corde. Par contre, sur les personnages, non, je t'avoue que moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là, même par rapport à Lucas, oui, qui est aussi un peu brisé, bah, c'est un oméga, donc c'est un peu la dernière roue du carrosse dans la main, j'ai envie de dire. Non, je t'avoue que moi, ça m'a pas dérangé, moi, ça.
Moi, j'ai bien aimé le chat. Non, mais j'aimais bien le chat. Je trouvais ça adorable. Mais vraiment, c'était trop mignon. Mais tu vois, c'en était au point où je me suis dit, mais enfin, c'était construit, quoi. C'était comme, enfin, vraiment, c'était fait pour que moi, en tant que testrice, je me dise, oh, il est trop mignon. Et évidemment, je me suis dit, oh, il est trop mignon. Et je fondais. Et Lucas, je le trouve trop mignon. Et le chat, je le trouve trop mignon. J'adore le chat. Mais après, quand je rebranchais mon cerveau, je me disais, mais tu t'es fait avoir, ma pauvre fille, quand même. Là, t'es vraiment tombé pile dans le panneau dans lequel on voulait que tu tombes. Alors, ce qu'il faut que je précise aussi, c'est que pour le coup, moi, je suis vraiment tombé dans le panneau parce qu'en plus, avec sa dédicace et son chocolat, c'est que moi, sur la fin, la deuxième moitié du bouquin, je l'ai lu parfois en buvant du chocolat. Donc moi, j'ai vraiment marché à fond dans l'histoire du chocolat. C'est-à-dire que oui, moi, la deuxième moitié du bouquin, alors j'ai pas lu chaque chapitre quand même en buvant du chocolat, Dieu merci. Alors après, ça tombait, sans vouloir parler de ma vie, mais ça tombait sur mon opération, post-opération amygdale. Du coup, je pouvais pas manger grand-chose. Du coup, le chocolat, ça passait bien et ça m'aidait bien. Donc, mais ouais, du coup, moi, j'ai poussé jusque-là l'identification. J'ai vu du chocolat en lisant certains chapitres. Donc, du coup, ça passait mieux, l'aspect chaton qui joue avec des loups. Voilà. Mais c'est vrai que, ouais, moi, cette scène-là aussi, je me suis dit, bon, là, quand même, elle nous en rajoute une petite couche dans le haut, que c'est mignon. Mais bon, sur moi, ça a marché à fond. J'avais envie de rejoindre la meute pour faire des câlins aux loups et aux chatons. Sachant qu'en plus, apparemment, les loups, visiblement, ont un poil qui a l'air très, très doux. Et... Ah bah attends, a priori, ça a l'air pas mal de les caresser. Hein. Ils ont l'air très duveteux, ces loups-garous. Ghost confirme. Voilà. Donc non, moi, j'avais envie de faire partie de la meute. Ça a vachement marché, de les rejoindre. J'ai beaucoup aimé la scène de fin. Alors bon, on va pas trop spoiler, mais pour le coup, j'ai beaucoup aimé la dernière scène du bouquin. J'avais envie de rejoindre la meute pour aller hurler à la lune avec lui. Moi, parmi les points négatifs, en fait, j'ai trouvé que il n'y avait pas d'univers dans le livre. Il y a une seule ville, ils n'en sortent pas. On comprend pas du tout ce qui s'est passé. Pourquoi il y a des loups-garous d'un seul coup? Il n'y a rien qui sort des deux lieux principaux. C'est très très renfermé. Et il m'a fallu, mais vraiment, je pense, un nombre beaucoup trop important de pages pour comprendre que les gens ne savaient pas que les loups-garous existaient. Ouais, alors déjà. Ça, moi, pareil, mais pareil. Et j'ai mis, mais je comprenais, enfin, ouais, pareil. Je me disais que c'était un truc de l'univers et que c'était pas un secret. Ouais. Et en plus, comme ils le cachaient, enfin, pareil. Alors, ça, ouais, j'ai pas très. Et puis, alors, vraiment, ils se cachent mal. Hein. Bah, mais oui, en plus, ils sont nuls. Et les mecs, ouais. Ils font des combats, ils sont un peu plus forts en plus, parce que c'est des loups, donc ils sont un peu costauds. Et personne se dit, oh ben lui, c'est un peu louche quand même, il est super super fort ce gars-là. Quoi. Et puis, en plus, ils partent au milieu de la forêt tout le temps, ils reviennent, genre ça pose pas. Genre, ils sont en mode, ah, faut pas qu'on me suive, machin, mais ben, tu vas en forêt tout le temps. Évidemment qu'on va te voir à un moment. C'est normal que vous n'ayez pas compris que les gens ne connaissent pas l'existence des loups-garous, puisqu'au final, on te le dit qu'arrivé aux deux tiers ou aux trois quarts du bouquin, ça. Avant, on te le dit belle fois. Ça manque moi, c'est pareil. Quand même. Moi, pour le coup, d'un seul coup, on a des chasseurs de loups-garous. Tu te dis, mais pourquoi il y a des chasseurs de loups-garous, en fait, quoi. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, les mecs, quoi. Et là, tu te dis, ah oui, ok, peut-être qu'en fait, les gens, ils savent pas qu'il y a des loups-garous. Oui, ouais, puis après, c'est pour savoir depuis le début, quoi. Puis c'est pour ça, parce que genre Val, il dit tout le temps qu'il couvre les arrières de Nat. Et t'es là, c'est bon, c'est un loup-garou, quoi. Le gars, il est assez bourrin, tout ça. Ça va, quoi. Il a pas l'air d'avoir besoin qu'on couvre des masses ses arrières. Et du coup, on comprend assez vite que Val, il a déjà tué pour lui, pour. Et t'es là, mais qu'est-ce. Alors après, ouais, il y a les chasseurs qui arrivent, alors tu comprends que, ah, d'accord, en fait, c'est parce que Val, il protège des chasseurs. Il protège son secret. Mais t'es là. Là, par contre, je suis d'accord avec Yoda. En effet, moi, c'est pareil. Si je devais faire une critique au bouquin, c'est pareil. Ce serait celle-là. Au niveau du world building, j'en demandais pas non plus des caisses, mais c'est vrai que c'est vraiment rien. Il y a pas grand-chose. On nous explique pas ce qui s'est passé. On nous explique un peu au fur et à mesure, au détour de certaines phrases, les problèmes auxquels sont confrontés les personnages dans ce monde post-apocalyptique. Mais c'est vraiment
pas super travaillé, on t'explique pas pourquoi on en est arrivé là. Et alors en effet, bah, sur l'aspect les loups-garous, pas grand monde sait que ça existe. En effet, tu le découvres tardivement dans le bouquin. C'est vrai que c'est pareil. Alors, Jonjon Je nous dit que lui, il avait pensais. trouvé ça clair. Ouais, Et que de toute je façon, pensais ils que se couvraient c'était. leurs arrières depuis qu'ils enfin, bien avant qu'ils soient Alors, loups-garous, ce qui n'est pas faux, ouais, mais. oui. Mais Sur les bon, tu comprends quand personnages, même que oui. depuis qu'il est devenu loup-garou, il a fallu beaucoup couvrir ses arrières. Notamment, bon, il a fallu l'aider à devenir un bon loup-garou, parce que ça n'a pas l'air d'être cool de devenir loup-garou, et donc il a fallu l'aider dans sa transition, tout ça. Mais tu comprends quand même qu'il a eu du boulot ovale depuis qu'il est loup-garou. Et tu sais Et pas très bien, donc tu as du mal à piger quoi. Et alors, il y a un autre truc aussi qui m'a super gênée, c'est que Val, à un moment, du coup, il a le dossier de Calame. Et donc, Calame, c'est quand même un gosse perdu. Hein. On l'a kidnappé quelque part. Mais du coup, Calame, il a une famille. Il a des gens. Et Val, à un moment, il se retrouve, il a l'adresse de Calame. Et je comprends pas dans quel monde tu te dis pas, ah ben, je vais aller essayer d'aller voir d'où vient Alors, Calame, s'il a une famille qui existe toujours. oui, Alors, pas alors. forcément pour le dire à. Mais en tout cas, pour au moins aller voir s'il peut pas le ramener dans sa famille, ou les. Enfin, voilà quoi. Alors moi, pour le coup, je t'avoue que non, ça, moi, j'ai pas perçu ça comme ça Non plus. parce que comme quand il lit le dossier, la conclusion, c'est qu'il dit qu'il aurait préféré ne pas le lire, le dossier, et de ne pas découvrir ce qu'il y a découvert. Moi, j'ai supposé que la famille de Calame avait été tuée au moment du kidnapping. Et ce qui collerait quand même assez bien avec les traumatismes du gosse, parce que du coup, tu sens que lui, il refoule énormément la partie avant. Quand il dit est-ce qu'il y a eu un avant le kidnapping, on sent qu'il refoule à mort cette partie-là. Moi, je pense qu'il a dû voir sa famille se faire tuer sous ses Ouais, yeux. mais Et du coup. enfin, il doit bien avoir une famille un peu éloignée, des gens qui existent. Tu vois, il a peut-être un tonton, une tata. Il est. Moi, Enfin, je il sais a une pas. meute avant, en fait. Et moi, pour Ça, je moi, sais sa pas, mais. meute avait été tuée Ouais, par. moi Ah ouais, j'ai ça. supposé que Val, dans le dossier, il a vu que bah, la famille ou la meute de Calame avait été Ouais. tuée. Et que du coup, c'est pour ça qu'il n'a pas poussé plus loin cet aspect-là. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti là-dessus. Je ne me suis pas Pareil. interrogé. Mais. Ah ouais, moi Et je puis me je te dis, suis je dit trouve que que ça quand même c'était correspond bizarre bien. qu'on n'aille pas, enfin tu vois que la famille totalement directe ait été tuée, ouais moi aussi ça je me le suis dit que a priori il s'était passé une couille, mais au-delà de sa famille totalement directe, a priori je me suis dit qu'il devait quand même y avoir encore des gens qui connaissaient Calame de son ancienne Ouais. vie et que peut-être essayer de le rattacher à son ancienne vie ne pourrait être ne... et en tout cas un peu enquêter sur comment il vivait avant, essayer de Après, recréer un univers, enfin en tout cas s'intéresser à qui il était avant d'être Calame, ça m'a je sais pas, ça. il a une nouvelle alpha en plus, Ils ont d'autres chats à fouetter vis-à-vis de Calame quand même à ce moment-là, parce que quand ils retrouvent le Ouais, dossier, mais après il brûle le dossier, donc du coup il a perdu toutes les ouais. infos, quoi. On n'est même pas sûr qu'il a. Enfin, à ce moment-là, on n'est même pas encore sûr que Calame Ouais. va encaisser la prochaine pleine lune. Et puis bon, on parle quand même d'un gamin qui déjà ne supporte pas qu'on ouvre un volet. Enfin, je pense que voilà, Val et Nat, à mon avis, sont 100% concentrés sur déjà essayer de resociabiliser le gamin, sans devoir. En plus, sachant que là, pour le coup, quand même, le bouquin t'explique quand même que les voyages longue distance ont l'air vachement compliqués, trouver de l'essence, ça n'a pas l'air si facile. Si en plus le gamin vient d'assez loin, ce qui a l'air plus ou moins le cas quand même, je pense que c'est pas si facile que ça non plus d'aller enquêter dans la ville d'origine du gamin. Mais là, on en revient au problème où je rejoins Yoda, c'est comme le world building est quand même très très léger, en effet, on manque clairement d'infos et de mise en perspective par rapport à Ouais. ces aspects-là, ça c'est sûr. Ouais. Comprend même pas en fait à la marina en fait à côté du lac les gens plutôt riches et on nous explique à un moment donné qu'en fait Marc donc le chef de meute il a de l'argent parce que il fait en fait de la comptabilité d'entreprise, des trucs comme ça, mais dans quelle entreprise il n'y a rien du tout dans le coin quoi. Ils crèvent tous la dalle. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris de quoi ils faisaient de la comptabilité. Bon, bah, du coup, tu as des gens riches, mais tu sais pas pourquoi ils sont riches. Et des gens pauvres, bon, parce qu'ils sont pauvres. Voilà, Mais quoi. c'est un peu ça, ouais. C'est pareil aussi, genre Nat, il y a des moments où tu réalises que en fait le mec, juste, il a envie d'être pauvre.
Genre, c'est tellement un bad boy qui aime se battre que du coup, il fait le choix d'aller se battre et tout. Mais en fait, il pourrait être. Et d'ailleurs, pareil pour Val, ils le disent explicitement à un moment. Il aurait pu aller vivre à la marina, mais non, il a choisi d'aller se taper avec des gens. Là, tu te dis, tu peux faire plus bad boy que ça, quoi. C'est bad boy. Après, ceci dit, dans le cas de Val, alors oui, il se fait du pognon, mais tout son pognon vient du fait qu'il participe, enfin qu'il appartient à un gang pour lequel il fait les sales besognes. Ouais, mais du coup, il sait lire et compagnie. Et ils disent à un moment qu'avec les études qu'il avait fait, il aurait largement pu aller à la marina et avoir une vraie une vie rangée et de l'argent, quoi. Pour le coup, dans le cas de Val, tu sens que lui, il y a l'aspect qu'il a peur que s'il va dans la marina, il va s'attendrir, il va devenir moins bon dans ce qu'il fait, et qu'il préfère rester dans les docks pour rester affûté et tuer des gens, tu vois. Enfin, moi, c'est... Pour Val, ça m'a pas choqué. Puis en plus, il doit rembourser encore son... Voilà, il a des dettes, il est originaire des docks, ce qui n'est pas le cas de Matt, lui, apparemment. Oui, au départ, sa famille est originaire de la marina, mais bon. Mais c'est pareil, ça, on ne le développe pas trop. Apparemment, sa mère est tombée dans la drogue, et donc, il y a eu une sorte de déclassement social et il a fini sur les docks parce qu'apparemment, sa mère est tombée dans la drogue. Mais c'est pareil, ça, on ne le développe pas énormément. C'est pour ça que moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait une suite pour développer tout ça. Je ne sais pas si elle compte le faire. Écoute, Karim Redberg, si tu nous écoutes, moi, je suis preneur. Si tu fais une suite, je l'achèterai avec beaucoup, beaucoup de joie. J'aimerais retourner dans les peintures de Calam avec grand plaisir. Et alors, du coup, vous avez une scène préférée dans le bouquin ? Bah, moi, j'ai beaucoup aimé la fin, mais bon, je vais peut-être pas spoiler la scène de fin. Une scène préférée, je dirais la première fois où il arrive à inciter Calam à sortir enfin de l'étage, à descendre avec lui, où lui, il est sous forme de loup. Les deux jouent dans le salon, faire la chasse, tout ça. J'ai trouvé cette scène-là très très jolie. Mais je dirais, moi, franchement, quasiment toutes les scènes où Calam peint, franchement, je les ai toutes adorées parce que j'ai trouvé vraiment qu'elles étaient très bien écrites et qu'elle arrivait vachement bien à transmettre les émotions de ce personnage via ses couleurs. Donc, moi, je prendrais toutes les scènes où Calam peint, en fait. Et toi, Yoda ? Pas vraiment. Je suis pas sûre d'avoir vraiment une scène préférée. J'ai des scènes moins préférées, mais pas des... Alors, donne-nous une scène moins préférée dans ce cas-là. Bah, tout ce qui se passe dans les arènes, en fait, j'ai trouvé ça un peu naze. Tous les combats dans les arènes, où en fait, finalement, c'est des humains qui se battent entre eux, ou des humains contre des loups-garous, ou des machins. Ça m'a fatiguée au bout de la 10e fois qu'on y retourne. Ils s'en servent en fait pour payer leurs dettes ou pour gagner un peu d'argent, les gens qui combattent là-dedans. Mais finalement, les organisateurs, ils choisissent, ils en font ce qu'ils veulent. Hein. S'ils ont envie de tuer quelqu'un, ils tuent quelqu'un. S'ils ont envie de faire un combat, j'ai l'impression, à 1 contre 12, ils feront à 1 contre 12. Donc il n'y a pas de règle, il n'y a rien du tout. Mais dès que ça combat un peu, finalement, on nous coupe l'action et on passe à la suite. J'ai trouvé ça nul. C'était pas bien. Moi, ce que j'ai trouvé nul, c'est le moment où ils font un raid chez les kidnappeurs. Alors là, t'es là où ils ont fait toute une enquête et tout, machin. Ah, enfin, il va y avoir un truc. Là, ils ont fait un plan. Tu sais qui va aller où, machin. Et puis là, tout d'un coup, ça s'arrête. Se résout assez facilement, c'est surtout ça. Et puis du coup, on te dit, ils ont tué tout le monde. Ah. Le plan se passe sans accroc, pour le coup. À part il y a une meuf qui meurt. C'est un personnage dont tout le monde se fout. Je sais même pas si elle a un prénom. Non, mais elle vient de la ville d'à côté. Genre, déjà, ça veut tout dire. Et ça, oui, ça, je vous l'accorde. On sent clairement que l'autrice, ces scènes-là, bon, c'est pas... parce qu'il éclate le plus à écrire, à raconter, du coup ça se voit. C'est pour ça que moi, à la limite, je me dis, si vraiment c'est pas ce qu'on éclate, je préfère peut-être même encore qu'elle fasse un fondu au noir, plutôt que de nous écrire des scènes mal écrites
et pas intéressante. Moi, choisir, je préfère encore qu'elle fasse ça si jamais c'est pas trop son kiff. Après, mais bon, encore une fois, comme moi j'ai beaucoup aimé le bouquin et que j'étais à fond sur le personnage, moi j'ai quand même eu peur quand Val et Nat vont se battre dans les arènes. Moi j'avais peur qu'il y en a un des deux qui meurt, enfin surtout Val plus que Nat. Mais Mais moi, non, moi j'avais j'ai pas quand peur, parce même que eu. je me suis dit, c'est bon, enfin, j'ai compris que ce livre était quand même très calme. Du coup, enfin, vraiment, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y en ait un qui meure. En gros, moi, j'ai compris assez vite que c'est bon, tout le monde finissait à la fin et qu'il allait, enfin, qu'il n'y allait pas y avoir de grand drame de ce côté-là, quoi. Alors moi, ce qui m'a un peu frustré, c'est que pareil, j'aurais bien aimé qu'elle développe un peu plus la relation entre Nat et son mec Enzo. Ah ouais, ça aussi, ouais, pareil. Parce que Le pas, il est dans mes persos préférés. il y a quelques scènes entre eux que j'ai trouvé plutôt pas mal, mais c'est pareil, qui ont un goût de trop peu, j'ai trouvé pour le coup. J'aurais bien aimé que cet aspect-là soit peut-être développé un petit peu plus, parce que le personnage avait été plutôt sympa aussi. Oh, puis J'ai en plus, on trouvé aurait qu'en pu vrai. avoir du cul. Et voilà, Voilà. on aurait pu avoir un peu de cul aussi, parce que les deux ont l'air mignons en plus. À Les deux fait. ont l'air sympathiques. Donc voilà, j'aurais bien aimé aussi que ce soit peut-être un peu plus développé. Dans le tome 2. Ah voilà, toujours tome 2 dans un tome 2. Moi, si elle fait un tome 2 et qu'elle met plus de scènes avec Enzo, je suis preneur aussi. A l'air super badass. Ah, il est trop, ouais, il est trop bien, Enzo. J'avoue, Enzo, j'aime bien aussi. Donc, ouais, non, voilà, moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Donc lisez-le et faites-vous votre avis. Mais non, non, en tout cas, c'est surtout, moi j'ai trouvé quand même. Bon, après, voilà, on peut ne pas aimer certains aspects du bouquin. J'ai trouvé par contre, elle écrivait vachement bien. Et encore une fois, moi, pour réussir à me vendre un bouquin écrit à la deuxième personne du singulier, déjà c'est fort, parce que moi, c'est vraiment pas mon truc. Et j'ai trouvé que ça passait vachement bien et qu'elle l'utilisait à bon escient Ah ouais, non, c'est super bien écrit, c'est vrai. Sur le développement psychologique des personnages, j'ai trouvé que du coup, c'était vachement fort, vachement bien foutu, qu'on était bien dans la tête des personnages et que du coup, au niveau psychologique, on les cernait quand même assez bien, Et assez facilement. comme tu dis, le Qui jeu pour. sur Ouais, les couleurs est excellent. Et c'est vraiment, enfin, ouais, ouais. ça participe vraiment beaucoup. Et il y a un jeu aussi sur les virgules, enfin sur la ponctuation et les répétitions. Qui rajoute aussi une certaine poésie et aussi sur les noms. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Calame, du coup, il désigne les gens Oui. par des expressions. Et Ah oui. ça évolue au fil du temps et au fil de la façon dont lui se reconstruit. Et j'ai aimé tout ce petit jeu de la reconstruction de Calame au travers de sa relation aux autres. Je trouvais que c'était très bien retranscrit sur ces petites Y trouvailles a un peu d'écriture. ça. Il y a un peu ça chez Val aussi, quand il doit trouver les noms avec le langage des signes, quand il doit donner un nom à Calame ou à Lucas avec le langage des signes, il fait des associations aussi qui sont assez bien trouvées, qui sont pas mal faites. Donc Les ouais, grands non, esprits se moi. rencontrent, Jonjon vient de dire exactement la même chose sur le chat. Mais c'est parfait, c'est normal, Jean-Jean et moi, on a Lounagui sur ce cas-là. Mais ouais, non, non, j'ai trouvé qu'en tout cas, pour le coup, sur son style d'écriture, voilà, là, pour le coup, C'était la de première fois critique sévère, il y a peu que de je lisais critiques à quelque faire chose là-dessus, je trouve. à la seconde personne du singulier. J'avais jamais lu de livre avec cette conjugaison-là et j'ai beaucoup aimé. Ah, moi, Vraiment plu. ouais, les rares fois où j'avais essayé, ça n'avait pas beaucoup. Là, pour le coup, ça a vachement bien marché sur moi, et c'est clairement la première fois, parce que j'ai trouvé que du coup, c'était vachement bien intégré à son style et à sa description psychologique des personnages. Mais c'est ça, en fait, moi j'ai du mal quand ça n'a pas un but et un sens. Et du coup, parce que sinon, c'est vraiment un gimmick d'écriture qui est juste bizarre, quoi. Et là, non, là, c'est complètement fluide. C'est vraiment. Enfin, on sent que c'est pensé, écrit pour nous mettre dans la tête de quelqu'un au plus proche de lui et ça marche hyper bien. Moi, j'avais eu un peu ce sentiment-là, alors c'est pas le même narration, mais avec After, où c'est pareil, moi j'ai un peu de mal avec les jeux, le présent et tout, donc au départ, quand j'avais commencé After, c'est pareil, je m'étais dit, oh là, ça va être dur, mais pareil, comme là, dans After, c'est pareil, c'était mis au service d'un but,
et qui apportait quelque chose en plus pour justement la narration, les personnages. Quand c'est bien fait, en fait, voilà, ça marche bien. Et le problème, c'est que ces choix-là, parfois, les auteurs les mettent juste pour faire genre. Ça apporte pas grand-chose, et donc, du coup, ça alourdit, ça plombe à mort la narration. Alors que là, je trouve que dans ces deux romans-là, ça apporte vraiment un plus, et tu sens que l'autrice, à chaque fois, l'a vraiment intégré comme étant un élément utile à la narration et qui aide le lecteur à mieux comprendre ses personnages. Pour le coup, bah, c'est bien de le faire quand c'est comme ça. Par contre, si c'est le faire juste pour se donner genre, ah, moi je fais pas troisième personne, bon, ça apporte pas grand-chose. Mais là, c'est pas le cas, ça apporte vraiment quelque chose. Alors du coup, votre personnage préféré, c'est qui? Ah bah moi, Calame, sans hésitation. Ce qui est fort, parce que bon, du coup, on est quand même sur un personnage qui a du mal à s'exprimer, mais je trouve que la manière dont elle nous fait rentrer dans son univers personnel, avec les couleurs, puis bah, en fait, c'est pareil, ce qui est vachement bien foutu, c'est que lui aussi essaye de bien faire, mais il sait pas comment faire. Tu sens qu'il se rend malade, hein, ce pauvre garçon. À certains moments, il essaye, voilà, de faire plaisir aux personnes, parce qu'en plus, il se rend bien compte que ces personnes essayent de l'aider, mais bon, il n'a pas les codes, il galère, il sait pas ce qu'il doit faire, comment le faire, il marche sur des œufs, enfin voilà. Le coup, t'as des moments, moi j'avais beaucoup beaucoup de peine pour lui, en mode non mais ça va aller, tu vas voir, tu vas t'en sortir. Et voilà, donc point pour le coup, Calame, j'étais à fond, j'ai trouvé que c'était très fort d'aussi bien caractériser ce personnage, replié sur lui-même, un peu autiste, de transmettre autant d'émotions et de décrire aussi bien ses émotions. Ouais, moi, clairement, j'ai adoré le personnage de Calame. Et toi, Yoda? Il y en a beaucoup que j'ai aimé de personnages, moi, pour le coup. Vraiment, il y en a beaucoup des personnages secondaires m'ont plu, mais bon, on a déjà parlé d'Enzo et on a déjà parlé de Lucas, alors j'ai parlé de Victor, que j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, il est vraiment brut, il est vraiment en opposition avec Nat, mais j'ai adoré, en fait, ce rapport qu'il a avec son frère, pour le coup. J'ai vraiment trouvé ça super chouette. Il fait un peu gros bourrin, qui aime personne, tout ça. C'est aussi des pièces rapportées de la meute de Marc, tous les deux. Il ferait absolument n'importe quoi pour son frère. Et vraiment, en fait, en vrai, il est super adorable, quoi, lui aussi, quoi. Et on voit bien que c'est un bonhomme qui a été, enfin, tous les deux, ils sortent d'une ancienne meute qui a été détruite, quoi. Et ils se sont raccrochés l'un à l'autre, ils sont incapables d'être séparés. Ils sont très très fusionnels, c'est assez rigolo à voir. Donc Victor, ce gros bourrin en fait, qui passe son temps à faire des câlinous à son frère, quoi. Et c'est super choupi. Et surtout qu'il y a un décalage dans le physique. Victor a l'air assez massif carré, alors que Lucas est un petit peu plus frêle. Donc c'est vrai que Oui. le duo fonctionne bien. Mais de toute façon, ça pour le coup, voilà, moi je trouve que dès qu'elle écrit sur un personnage pour expliquer un peu ses émotions, c'est toujours bien fait. C'est vrai que je te rejoins. Il y a quand même beaucoup de personnages auxquels on arrive à s'attacher assez rapidement, même si on les voit pas forcément énormément dans le roman, qui sont présentés que dans certaines scènes. Voilà, Bah ouais, pour le coup, moi, tu je as vais plein de citer personnages. Malia. Mais Malia, donc c'est une pote de Val avec qui il s'entraîne. Et elle est super marrante, en fait. Elle est hyper. C'est un peu une meuf badass. Hein. C'est vraiment, à la base, t'as un peu l'impression que c'est le cliché de la meuf badass qui est bonne qui s'en laisse pas compter, qui est hyper forte, qui casse des gueules et tout. Mais Ah bah qui tue des qui gens gronde. Hein. Et qui qui aime aime les ça. tuer. C'est trop drôle. Tu vois, c'est pas de la meuf badass relou. C'est une meuf. Tu sens que derrière, il y a suffisamment de caractère pour que ça soit pas juste un cliché. Et en fait, tu vois qu'elle est hyper attachée à Val. Et en fait, tu vois que c'est probablement la prochaine de la meute. C'est celle en qui on a confiance. Et elle est super chill. La nana, on lui dit, tiens, regarde, c'est des loups-garous. Et elle dit, oh, ah, d'accord, c'est ça. Ouais, bah tu sens que Genre,
Il en faut beaucoup pour l'impressionner, je pense. Elle, à mon avis. Bah, ce qui est marrant, parce que c'est vrai que. Et elle fait peur à tout le monde, elle fait peur à tous les gros loups, c'est génial, elle est trop drôle. Ce qui est marrant, c'est qu'en effet, Val est donc un personnage asexuel. Hein. Lui, le sexe, ça ne l'intéresse pas du tout, du tout, du tout, du tout. Sauf que, bah, comme lui aussi est un peu beau gosse, bon, bah, il a des propositions. Ah ouais, il a l'air trop beau lui aussi. Qui le vit assez mal, et donc généralement, des fois, il casse la gueule à des gens qui le dragouillent et qui ne comprennent pas qu'il n'est pas intéressé. Et c'est vrai que pour le coup, ce qui fonctionne aussi bien, c'est que les personnages entre eux se vannent et se chambrent quand même pas mal par moments. Nat, Val se balancent des trucs sur leur sexualité respective, pareil, Malia, etc. Je trouve que des fois, il y a des bonnes vannes où ils se cassent un peu la lode, ou pareil, Val se fout souvent de la gueule de Nat, le fait que bah, c'est un chien mouillé avec des poils qui aime bien les gratouilles. Je trouve qu'ils ont beaucoup d'autodérision parfois sur eux-mêmes, et il y a des petites vannes comme ça qui fonctionnent bien entre les personnages, je trouve. C'est vrai. Bref, un bouquin très recommandable, quoi. Mais il faut quand même savoir qu'il va rien se passer pendant quasiment 600 pages. Voilà, moi je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il faut savoir avant de commencer ce bouquin ce que c'est et de quoi ça parle. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent choisir ce bouquin en pensant qu'ils vont avoir affaire à autre chose et du coup être déçus parce que ce ne sera pas du tout peut-être ce qu'ils auront imaginé. Je pense que c'est ça le risque à mon avis avec ce livre, mais je pense que voilà, si vous êtes conscient de ce que c'est, de quoi ça parle et que c'est votre cam, allez-y. Par contre, oui, si c'est pas votre cam, n'y allez pas. Non, voilà. Il faut quand même être dans un mood vraiment à vouloir lire un livre doudou, bienveillant et pas prise de tête, mais vraiment. Genre, si t'as eu une sale journée, que ça va pas dans ta vie, que t'as besoin d'un gros câlin, je pense que c'est le bon bouquin. Moi, perso, au moment où je l'ai lu, du coup, j'avais pas spécialement besoin de câlin. Mais si t'as besoin de sucre, si t'as besoin de chocolat chaud, ça peut être bien. Schrödinger nous dit qu'il a l'air d'avoir trop de bons sentiments, c'est pas pour lui. En même temps, le mec, il lit de l'horreur tout le temps. Ou alors, si tu viens de terminer un bouquin qui se termine super mal, où tous les personnages s'en prennent tellement plein la gueule qu'ils finissent par se suicider, t'enchaînes avec Meute, où là, on va te montrer un personnage qui remonte la pente et qui surmonte ses traumas. Voilà. Mais tu vois, genre, j'ai fini Meute après avoir vu le dernier épisode de House of the Dragon, qui m'a genre complètement bouleversée. J'étais un peu en PLS, la marche, ouais. Tout ça. Et ben, Meute après ça, ça fait un bien fou. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un petit peu un antidépresseur, moi, je trouve, en fait, ce bouquin. Si t'as un peu le spleen, tu le lis et tu te dis que... Parce que, voilà, en plus, le message du bouquin, c'est que bah, si vraiment tu mets un peu d'effort et si vraiment t'as envie d'aider la personne, bah, tu peux l'aider à remonter la pente si tu prends en compte ce qu'elle veut et surtout si tu la laisses choisir et décider le rythme, la manière dont tu peux l'aider à remonter la pente. Mal, du coup, c'était trop long pour un antidépresseur. Voilà. J'ai rien contre les livres doudous, les livres mignons, tout ça, mais alors pour le coup, c'était long, quoi. Enfin bon, vous avez compris. Après, Moi, je l'ai lu très très vite parce que comme j'étais à fond dans les personnages, j'ai lu lentement quoi, parce qu'à chaque fois j'étais en mode oh mais il va rien se passer, oh faut que je reprenne le bouquin, mais il va rien se passer, mais je m'en fiche de là. Et puis du coup ouais, j'ai mis un temps fou à le lire quoi. C'était long. J'ai lu très très vite parce que je me suis dit que si je l'arrêtais en fait, j'allais pas le reprendre, qu'il fallait que je le lise tout d'affilée en fait. C'est bien passé, j'ai pas détesté, voilà. Mais c'était quand même un peu long. Jonjon, il dit qu'il l'a lu super vite parce qu'il a adoré. Ben voilà. Pareil, moi, pareil, je l'ai lu très très vite. Moi, je te dis, dès qu'on revenait sur le chapitre de Calame, je me disais, ah cool, on va réavoir des jolies explications avec des couleurs, ça va être trop bien. Il va me refaire une petite bulle arc-en-ciel, parce que c'est souvent l'expression du personnage, il vit dans des bulles arc-en-ciel. Donc moi, j'étais très content quand j'étais dans les bulles arc-en-ciel avec Calame. Donc du coup, je l'ai lu très très rapidement. J'ai trouvé ça un peu long, Calame. Au bout d'un moment, on revenait toujours et c'était long et ça recommençait. C'était un peu la même chose. Et voilà, j'ai trouvé ça un peu longué, les passages de Calame. Finalement, les autres m'intéressaient plus parce que je me disais, allez, ça va un peu plus bouger chez les autres. Surtout ceux de Val qui finalement. Ouais, moi, c'est ceux de Val aussi. Parce que
Parce que Ah bah Nat, oui. finalement, à part ces 2-3 combats qu'il fait, même la prise d'assaut là, du complexe militaire, il n'y va même pas. Donc, Oui, après, à sa décharge, le lien de meute l'handicape vachement quand même. Oui, mais c'est pas un reproche que je lui fais, hein, mais c'est juste qu'en fait, je pensais qu'il serait un peu plus actif, quoi. Et voilà, non, il est aussi très très ramollo. Voilà. Il essaye de gérer son lien de meute et il galère un peu quand même. Ouais, mais du Oui, coup, c'est pas facile, hein, en c'est plus. quand même un personnage qui galère pendant tout un bouquin, quoi. C'est Ouais, bon, oui, d'ailleurs. on a compris que tu galérais, mec. C'est bon, c'est bon, Bah, c'est ouais, bon. et On puis. n'avait pas besoin de 600 pages pour comprendre que tu galérais. Surtout qu'au départ, c'est pas le personnage qui paraît le plus non plus ouvert sur les autres et le monde. Il se retrouve Ouais, à bah devoir gérer. c'est un bad boy au grand cœur. Et puis, c'est un peu sa faute aussi, parce que Marc lui propose quand même vachement de fois de l'aider, de lui expliquer comment ça marche tout ça, et il lui dit non à chaque fois. Bah, au bout d'un Ouais, moment, mais il c'est bouge pas un tout bad seul, boy quoi. et c'est un bad Voilà. boy et il a de l'ego, ok? En plus, c'est un alpha. Oui, mais Donc, du coup, après, un alpha, ça encore demande une pas de fois, voilà. l'aide. C'est ce que j'allais dire. Tu sens que les liens de meute le contraignent vachement quand même, parce que quand même, dès que les gars sont dans... Bon, là, on spoil un peu, du coup. Enfin, dès que C'est les assez loin, gens... hein, c'est Là, on bon peut y ça, aller. on a quand même pas mal spoilé. Dès que les gars de l'ancienne meute reviennent sur son territoire, il se met à grogner, à montrer les dents. Enfin, parce que ça, c'est assez marrant aussi, d'ailleurs, les scènes où, en fait, tu te rends compte qu'il a des réflexes automatiques du loup, même quand il est humain, où, en fait, il y a des grognements qui lui échappent, ou il montre ses dents, il n'arrive pas à se contrôler. Ça, j'ai trouvé ça un peu, assez marrant aussi. Donc, du coup, oui, l'aide de Marc, en soi, je pense qu'il aimerait bien des fois dire oui, mais j'ai l'impression que Elle est qu'à dire oui. Le loup alpha en lui, l'en empêche un petit peu quand même, j'ai le Ouais, sentiment. je sais pas, parce qu'à côté de ça, Marc, lui, par contre, s'il a besoin d'un coup de main ou de l'aide, voilà. Oui, mais Voilà. bon, Alors, Marc a Marc, beaucoup de soucis dans sa meute. ouais, Ok, mais je trouve qu'il pour est le beaucoup coup, mieux en tant que chef de meute. Voilà. ouais, mais alors pour le coup, Marc, il a l'air un peu trop gentil et il a l'air un peu trop naïf et de faire confiance un peu trop facilement aux gens, parce que pour le coup, Lynn et Julian, là, les deux d'entrée de jeu, tu sens qu'ils vont bien lui casser Ah les couilles bah ouais. et qu'il les garde, bon, vraiment, parce qu'il est un peu trop con et un peu trop gentil quand même, le Marc. Hein, en Oui, fait, je me dis. il faudrait faire un combo entre Marc et Nat pour avoir le bon alpha, je pense, tu Donc à faire meute Ouais. commune. On me dit, oh là là, c'est pas juste un bad boy que je suis qu'on est un peu réductive à le traiter de bad boy Nat. Jonjon, je suis désolée d'avoir à dire ça, mais quand même, c'est vraiment le cliché du bad boy Alors, au grand cœur qui si. s'ouvre face à ce c'est vraiment le cliché du mec qui a une façade de bad boy et que après derrière c'est un cœur tout mou quoi. C'est vraiment le gros cliché littéraire de toutes les romances de bad boy, c'est le même. Hein. Même Il est moi tout qui le temps le adorais même le personnage. voilà. Même moi qui adorais le bouquin, oui, je trouve que ce cliché-là, quand même, oui, en effet, on le voit un peu chez, enfin beaucoup même chez Nat. Mais encore une fois, je trouve que comme elle vend super bien la psychologie de ses personnages, il y a quand même d'autres choses qui émergent quand même, Dieu merci, de la psychologie de Nat. Puis bah c'est pareil, il est super attendrissant parce que tu sens qu'il galère avec Callum, il tente des trucs, lui aussi il marche sur des œufs. Enfin, donc du coup, voilà. Non, mais il y a des bad boys qui sont très bien hein, dans plein de romances. Les Oui, bad boys au grand cœur, ils plaisent à plein de gens. c'est Hein. pour ça qu'on les aime quand même. Hein. C'est faux. Si ce cliché a autant la vie dure, c'est parce que quand même beaucoup lecteurs ou spectateurs, c'est des films. Mais oui, il nous faut une petite dose de bad boy pour que ça fonctionne quand même. Le point positif de tout ça, c'est que ça va avoir fait avancer son couple avec Enzo, Au puisqu'il moins, ne tout disait à rien fait. depuis des siècles. Le C'est pour pauvre. ça. Moi, en fait, moi, je veux une suite. Moi, je veux une histoire de cul, en fait, un peu plus poussée entre Enzo et Nat. Moi, je veux bien partir là-dessus sur une romance un peu plus Un peu poussée plus, entre ouais, une deux. vraie Et romance. puis, moi, je veux qu'on compte que Callum continue à faire des tableaux aussi. D'ailleurs, on reste quand même sur une fin où tout son problème n'est pas du tout réglé, Ah hein, oui. Callum, Non, parce non, non, qu'il non, mange non, toujours non. quand même que dalle, quoi. Oui, Donc, oui. Oui, la fin, oui, c'est pas non plus ça va totalement mieux. indienne. Ça va Ça mieux, va mais il mieux, y a mais. encore du chemin. Il y a encore Oui, du puis chemin. en plus, il s'est passé un truc assez violent. Tu sens que ça peut vite leur retomber sur la gueule aussi, quoi.
peut y avoir d'autres soucis qui peuvent émerger. Assez vite y avoir des emmerdes qui viennent de la mode d'à côté, quoi. Après, encore une fois. Là, c'est un peu réglé, la mode d'à côté, pour le coup, il n'y a plus grand monde. Du coup, il en reste quand même. Il reste. Il n'y a plus Lynn, il n'y a plus Julianne. Ouais, mais il y a Gaëlle, il y avait deux, trois. Il y avait deux, trois solitaires, là, en plus, qui étaient. Non, je pense que clairement, je ne sais pas si elle en a envie ou pas, mais oui, si elle veut faire un deuxième tome, il y a quand même du matériel. Il suffit que Marc trouve encore un ou deux chiens perdus, là, et puis ça repart en couille, hein, cette histoire. Puis, pareil, avec le laboratoire secret, pareil, il peut y avoir d'autres chasseurs ou d'autres. D'autres méchants qui veulent faire du mal à des loups-garous, tu vois. Donc si, moi si elle fait un deuxième tome, j'achète sans problème. Vous les filles, je ne sais pas, peut-être pas, mais moi j'achète. Tu l'achètes, tu nous dis si il se passe quelque chose dedans, et éventuellement, si c'est vraiment le même genre, peut-être je l'achèterai, mais pour un moment où j'ai besoin d'un truc tout doudou. D'accord. Si j'ai besoin d'un truc tout doudou, je pense que je peux relire ce tome-là, en fait. Ça va très bien. On va peut-être pas insister tant que ça. Non, mais je trouve qu'elle écrit extrêmement bien, donc du coup, son style fait que, je serais pas contre lire autre chose d'elle. Oui. Pareil, je serais pas contre lire son autre roman, puisqu'apparemment elle en a écrit un autre, pour voir justement son style d'écriture, ce que ça donne sur une autre histoire. Oui, donc clairement, pour moi, le point positif, enfin le plus positif du bouquin, c'est que c'est quand même vachement bien écrit, et qu'elle utilise des procédés narratifs qui servent vachement son propos, quoi. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Oui. Oui, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Niveau consentement, c'est vraiment quelque chose de remarquable, le livre. Ouais. Voilà. Et bien voilà, mais du coup, si vous voulez un livre tout doudou, un gros câlin, vous pouvez vous tourner vers Meute, mais ça sera un câlin un peu long, peut-être. Faut vraiment avoir besoin d'un long câlin, d'un très long câlin, ou pas. Si vous vous le lirez super vite parce que vous êtes à fond dans le câlin. Voilà. Si vous êtes team Jonjon ou team Coco, vous pouvez le lire très très vite et être à fond dedans. Voilà. Et bien du coup, on espère que le mois prochain, on aura autant de trucs à dire sur Éclat de givre de Estelle Faye. Vous aurez des choses à dire, j'en suis certaine. Je viendrai vous soutenir dans le chat, mais c'est vraiment un livre sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Cool. Voilà. Et puis, du coup, en attendant, n'hésitez pas à nous liker sur les réseaux sociaux, à venir sur nos Twitch hebdomadaire consacré à House of the Dragons. N'hésitez pas à venir sur le site de la Garde de Nuit, sur le forum pour nous donner votre avis sur Meute si vous l'avez lu. Il y aura un topic notamment avec le replay YouTube du Twitch. Alors vous pourrez réagir là-dessus. Et puis on a plein d'autres recolectures sur le forum, donc n'hésitez pas. Il y aura aussi des recolectures sur le blog très bientôt. Un nouvel article de reco. Et tous les jours, en plus, en ce moment, vu que c'est le mois de l'imaginaire, on poste une reco de littérature de l'imaginaire pour fêter le mois de l'imaginaire. Donc, vous pouvez aussi venir sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou sur Facebook, on a nos reco journalières. Et puis, en plus, on a évidemment toute notre actualité sur Le Trône de Fer et House of the Dragon, où on a des tonnes d'articles trop bien. On est très très gentils, nous aussi, on est très très doudou. Venez, on accepte même les verts, c'est pour vous dire à quel point on est tolérant. Même les verts ont le droit de venir défendre. Merci, c'est gentil de m'accepter. Les verts ont le droit de venir défendre l'indéfendable, c'est pour vous dire à quel point on est sympa. Et voilà. Et du coup, si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sur YouTube avec un smiley petit chien pour fêter la meute. Et rejoignez notre meute de la garde de nuit. Venez avec nous et venez avec Ghost. J'avais sorti exprès juste parce que c'était sur des loups-garous.
Voilà. C'est vrai qu'il est trop mignon, Ghost. C'est... Oui, il est bien mignon. C'est le seul truc qui pourrait peut-être me faire regarder la série sur Jon Snow, c'est peut-être. Voilà. Et bien, du coup, je pense qu'on vous dit au revoir. Surtout Ghost qui vous dit au revoir. Bonne soirée et à très vite. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée à toutes et à tous.